Salut, c'est Thomas. Je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment corriger le problème de gyro drift. Donc ça veut dire en fait que si vous allez dans un endroit où il va y avoir une grande variation de température à la neige, dans le désert, il est possible que le sensor du gyroscope ne soit plus calibré par rapport à la bonne température. Donc, comment le reconnaître? Si vous utilisez Slick et que un des axes dérive, donc par exemple l'axe du roulis va tout doucement bouger comme ça, ou le pan comme ça veut dire que vous avez un problème de calibration du gyroscope pour cette nouvelle température. Donc, comment corriger ce problème? J'ai fait une procédure relativement facile sur Slick pour le corriger sans avoir besoin d'une app sur votre smartphone. Donc vous allez rester pressé, votre doigt pressé sur la flèche avant qui est proche des LED, pas la flèche qui est proche de la batterie. Donc vous restez appuyé dessus et vous allumez votre Slick. Là, ce qui est important, c'est que la Slick ne bouge pas. Là, donc la Slick est en train d'essayer de calibrer le gyroscope, mais ça ne fonctionne pas puisque je suis en train de bouger. Vous pouvez entendre les bips. Elle essaye de calibrer, mais elle n'y arrive pas. Donc la seule chose qui est importante à se rappeler, c'est de ne pas bouger, la poser sur un trépied par exemple, attendre quelques secondes. Et là, votre gyroscope est calibré pour la température, c'est-à-dire à peu près 30 degrés ici. Voilà, vous pouvez de nouveau rider avec votre Slick et il n'y aura plus de problème de gyro drift.